J'ai une idée. Nous allons faire une expérience. Je vous propose de faire ma femme contre rémunération. L'idée, c'est de se voir régulièrement. Ok. Vous êtes une drôle de fille, Catherine. Pourquoi ? Parce que vous qui aimez tant le mensonge... Je n'aime pas le mensonge. Vous qui aimez tant le mensonge, vous m'avez laissé raconter ces anecdotes qui sont absolument authentiques. Et qui, parce qu'elles sont vraies, auraient dû vous faire horreur. Je n'ai jamais dit que j'aimais mentir. Pourtant, hier soir, vous disiez que... Non, vous n'entendez que ce qui vous arrange. J'ai dit que dans certains cas, si la vérité peut faire mal à quelqu'un, il vaut mieux ne pas la dire. Regardez-moi bien dans les yeux. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis votre vieil amant anglais et vous allez me jurer que vous ne m'avez jamais menti, que vous n'avez jamais aimé que moi. J'aimerais voir la tête que vous faites quand vous mentez. Excuse-moi, je peux te demander quelque chose? Ouais. Et sinon, elle fait quoi, votre femme parfaite? Pas de tatouage. On va me cacher ça, là. Cheveux propres. Ongles faits. Délicate, féminine. Enfin, le minimum pour une femme. J'ai pas de mine. C'est loin, je vous dis. Habitons, il va me chercher à manger. Vous voulez quoi? Trois hamburgers. Rien dessus. Pas de beurre sur le pain. Pas de saleté, pas d'oignon. Je veux le pain en toast. Et le journal. Et je paie avec quoi? C'est pas possible, qu'est-ce que je t'ai fait? Ce qu'il fallait pas faire. Depuis qu'il est revenu, tu dis n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Ne fais pas ça, Rosalie. Si, c'est comme je le fais. Fais pas ça, Rosalie. Mais je t'appartiens pas. Tu m'as pas acheté. T'as aucun droit sur moi. Personne n'a aucun droit sur moi. Personne! Je vais rester ici. Où ça, César? César. Je t'ai fait peur, hein. C'est effrayant. Est-ce que j'ai l'air d'avoir bonne mine? Juste l'air. Très très détendue l'atmosphère, hein.